l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu, Alléluia, 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 louez l'Éternel car il est bon. Quand sa miséricorde durera toujours, louez le Dieu des dieux. Quand sa miséricorde durera toujours, louez le Seigneur des seigneurs. Quand sa miséricorde durera toujours, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Moi, bye, bon Dieu, gloire. Moi, bye, bon Dieu, honneur. Moi, bye, bon Dieu, louange. Exaltation à notre roi, notre Seigneur, notre libérateur. Et même, on dit, mon Dieu, merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement et merci pour la respiration. Laisse que les bonnes opportunités pour me capable rentrer la caillou pour me dire shalom, shalom, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Et même, on dit, mon Dieu, merci. Laisse que le bon privilège pour me capable rentrer la caillou pour me capable partager quelques mots d'encouragement, de méditation pour gloire nos bon Dieu. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser, c'est bon Dieu qui bon Dieu dans le ciel là, sur la terre à grand bataille. Gloire à Jésus, nous dit bon Dieu merci. Amen. Qu'on te passe une bonne semaine avec Jésus. Amen. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de fortifier. Alléluia. Amen. On peut aller et parler dans le psaume 23, le verset premier. M'appelle le psaume 23 et nous pourrons plus considérer le verset premier aujourd'hui. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bralili en version créole. Gloire à Jésus. Seigneur, c'est garde-moi. Seigneur, c'est garde-moi. Moi, pas jamais manquer en rien. Côté Zébio pi belle, c'est là li fait me prendre repos. Côté de l'eau à couler posée, c'est là li mène moi. Li fait me reprendre force. Li fait me marcher dans le chemin droit. Pour ça servir yon louange pour nos lits. Même si m'a passé dans yon ravine, côté qui fait noir en pile, moi pas peur en rien. Parce que Seigneur ou là avec moi. C'est bâton ou à golou qui fait que me pas casser. Ou pareil, yon table pour moi devant, j'ai toutes les demi-millions. Ou recevoir, ou fait que me content, ou bon tout ça me besoin. Oui, moi connais. Ou ap toujours un même, ou ap toujours bon pour moi, pendant toute la vie. C'est la caillou m'a prêté tout le temps. Amen. Ouais, c'est un psaume David. C'est écrit, et nous, tout est connaît, la vie de David. Avant David te wa, David c'était yon qui réellement qui était un berger. Dans tout petit papa te gen yo, mais nous David c'est un berger que li te ye. Amen. Et men nous que bon Dieu te gen yon plan pour la vie de David. La vie David, bon Dieu te gen plan pour lui-même. Bon Dieu te gen réellement yon projet sur la vie David pendant que li te berger kay papa. Qui ça yon berger? Eh bien, nous, yon berger, c'est un monde qui a gardé mouton. Amen. C'est un gardeur que lui est. C'est un gardien que lui est. C'est un pasteur que lui est. Amen. C'est ça que yon berger. Yon monde qui gagne bout mouton, qui a pète mouton, qui prend soin mouton.
Et nous voyons que David lui-même, ça s'est passé, nous voyons que là qu'il était un berger, il t'a gardé bête, et bien qui s'est gagné, et bien bon Dieu, t'es bien prêt pour la vie David. David t'est déjà connu qui s'est un berger. C'est ça qui fait que là, il écrit Psaume 23, ça. Il dit l'Éternel, c'est berger. Pour qui ça, c'est parce qu'on, que, c'est parce qu'il connaît l'aile des bergers qui savent ce qu'on fait, qui gens te qu'on prend soin, bête te qu'on a gardé, qui gens te qu'on take care, ils qu'on take care et bête yo. C'est ça fait, il dit l'Éternel, c'est berger, c'est berger, n'a considéré le premier verset. Seigneur, c'est garde-moi, moi pas jamais manquer en rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous faites connaître que le psaume 23, son psaume, en pile monde connaît. Et même athée, le monde qui t'a parlé avec un athée, il dit athée a comme ça que est-ce que vous connaissez psaume 23? Parce que nous connaissons un athée, ce monde qui pas croit dans l'existence de Dieu, qui pas croit que bon Dieu existait. Athée a dit oui, il connaît psaume 23. Et puis, il récitait psaume 23. Et puis, il dit psaume non, mais il n'est pas croit dans psaume non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, mais qui connaissent somme. Mais si que mon pas bon Dieu, les consomme non, c'est comme si c'est la vie méchée à terre. So, pour somme non, capable réellement, ou bien pour parole là, capable réellement faire effet dans la vie au monde, faut mon a quoi dans parole là. Amen. So, à terre, ça, te consomme 23, les mémoriser, les connaître. Mais il pas croire réellement que c'est berger que bon Dieu t'a mis. Amen. Et nous voyons que bon Dieu, Jésus est le bon berger, est le bon berger. Pour qui ça? C'est parce que y a un monde qui croit dans bon Dieu, y a un monde qui croit dans Jésus-Christ, moi capable de dire où, que bon Dieu c'est berger où. Jésus, c'est berger ou que lui est. Pour qui ça, c'est parce que ou quoi la donne. Il dit que bon Dieu, c'est berger ou. Jésus, c'est berger ou. Et puis, sous pas quoi la donne, ça veut dire qu'il n'est pas berger ou. C'est même gens tout le monde qui dit yon bagay. Et puis, réellement, pas quoi dans sa dit. Il dit yon bagay. Et puis, quand il n'y a pas fait sa bagay l'an dit, c'est comme si mon n'a pas, il n'est pas quoi la donne. Et nous avons parlé de Somme David, ça, il te dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, t'es arrivé dans un moment, il t'est ouais que réellement que bon Dieu, l'Éternel c'était berger, c'était gardol que le t'ayait. Amen. Et nous voyons gardol, c'est un monde qui a gardé nos bagages. C'est un gardien que lui est, son pasteur que lui est. Amen. Amen. David t'a dit, Seigneur, c'est gardol. Dans Jérémie 23, le verset 4. Jérémie 23, le verset 4, je vais lire pour vous. Jérémie 23, le verset 4, c'est qui ça que lui dit? Le verset 4. Il dit, ma métier, l'autre chef qui va occuper yo. Peuple moyen, pas peur en rien encore. Yo pas vivre à cœur sauté encore. Youn là dans yo, pas perdu. C'est moi-même, Seigneur, ya qui dit ça. Où est qui Jean, bon Dieu lui-même? Li remet mouton yo, li remet brebis yo. Amen. Ma pi nan verset premier, li di, ma di chan pou chef sa yo, ki tan kou mouve gado kap touye, kap gaye bon mouton mette sou kont yo wa. Se seye a menm ki di sa. Se poutet sa, men sa seye ya. Bon je pep Israel la, di sou chef li mette responsable. Pep li ya. Nou gaye tout mouton yo. Nous laguer yo dans bois, nous pas occuper yo. Moi pral régler nous pour toute méchanceté nous yo. C'est moi-même, Seigneur Yah qui dit ça. M'a semblé ça qui était dans peuple moyen, m'pral prend yo dans tout pays côté moi te gayer yo wa. M'a fait yo tourner la caillou. Yo. Y a fait en pile petite, y a peuplé. Le verset 4 nous saute li. Ma mette l'autre chef qui va occuper yo. Peuple moyen, pas peur en yen encore. Yo pas vivre à cœur sauté en,
encore youn la dan yo pa pè di se mwen menm seye a ki di sa. Yon gado ki pa fè travay li, le verset 4 di la, ma mette l'ot chef ki va okupe yo. Amen. Sa ve dir ke an tanke yon berje, si ke berje ya pa pren responsabilite li, an tanke yon bon berje, ebyen ki sa le verset 4 di, ma mette l'ot chef ki va okupe yo. Pep mwen pa pè an yen anko. Yo pa viv ak kèr sote anko, pou ki sa se paske gen an pil brebi, gen an pil mouton ka viv avèk kèr sote, pou ki sa an tanke gardien, e men gardien supose pren responsabilite li pou l kapap pren soin mouton yo. Parce que David te rivon kote l te di l'Éternel se berjel, se ton berje ke l te el kone ki sa yon berje ye. Se pa moun ki te di David ki sa yon berje ye, e men David te kone ki sa berje ye, pou ki sa se parce ke l kone yon berje se yon gardon, se moun kap gade mouton, se yon moun son gardien ke li ye. E men, pou ki sa le bet sauvage yo vini, li kone pou l rete nan kan, li kone pou l rete devan get lan, devan pot lan, devan pot lan pou l kapab, e men, proteje e mouton yon, pou l kapab proteje brebi yo. E men, parce ke yon berje se yon gado, son mouton gardien, son gardeur ke liye, son pasteur ke liye ki apren, kap pran soin yon bwe, kap pran soin mouton yo. E men, e nou wè ke reyèlman, dan le liv de Ezekiel 34, le verset 11 et 12, m'appelez pour nous-mêmes, Ezekiel 34, verset 11 et le verset 12. Mais ça, c'est un seul maître l'a dit encore. C'est moi-même qui pourrais chercher mouton mio pour me soigner. Même gens, yon gado mâché soin mouton yo qui te gaillé, comme ça m'a mâché semblé tout mouton mio. Ma pran yo tout kote yo te gaye yo depi pran, depi jou fe noa, jou gwo male ya, ma fe yo tout, yo tout ne gen an pil moun ki kwen nan bon Diyo, an pil pitit bon Diyo ki gaye tout patou. E men pou ki sa se poste ke yo reyelman moun bon Diyo mette sou tèt yo, gardien, gado wa, moun kap gade yo wa, e men yo kite yo gaye an tanke yo vwe gardien, on gado, Eh bien, un vrai berger, eh bien, devoir berger, c'est pour le protéger mouton, c'est pour le garder mouton, pour le prendre soin mouton, pour mouton pas gailler à gauche, à droite. Pour qui ça, c'est parce que bon Dieu vient pour le demander, berger, il vient pour le demander gardien. Compte, pour qui ça, c'est parce que en tant que gardien, en tant que berger, eh bien, qui ça gagne, eh bien, berger supposé prendre soin mouton. Prends soin mouton, David te dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel c'est berger nous, ça veut dire nous pas jamais manquer un, nous pas jamais manquer en rien. Et nous voyons que berger son monde cap garder yon mouton, cap garder mouton. Son gardien que lié, son pasteur que lié pour prendre soin, cap prendre soin mouton yo. En tant que monde qui a servi bon Dieu, eh bien bon Dieu mettez monde sous tête nous pour capable réellement pour capable aider. Eh bien, devoir berger, mission berger, c'est de surveiller pour le conduire troupeau, pour observer l'état général et comportement troupeau. Amen. Et puis, pour porter soin à bête, pour porter soin à mouton. Devoir yon berger, c'est surveiller, pour le capable conduire troupeau à côté, bon Dieu, mandel, pour le mener troupeau. C'est pas côté que gado a vle, parce que, Nan Somme 23, l'Éternel c'est berger, ça veut dire c'est l'Éternel qui berger nous. En tant que monde qui a servi bon Dieu et qui gagne monde sous tête nous, eh bien bon Dieu mandé nous pour nous capables mener et monde qu'elle mettait devant nous, yo, gens que nous devons mener selon la volonté de Dieu. C'est pas gens que nous voulons, mais c'est gens bon Dieu mandé pour nous mener troupeau, pour nous mener fidèle, yo, pour nous mener selon la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous pas mener troupeau bon Dieu yo et mouton bon Dieu yo. Selon volonté pas nous, selon émotion pas nous, pour que ça c'est parce que bon Dieu bon l'a il vient pour demander berger ya, il vient pour demander gado wa, il vient pour demander gardien ya, sous troupeau il te mette ya, sous fidèle il te mette devant là, pour que ça devoir un berger, devoir berger c'est surveiller, supposé surveiller et fidèle yo, ou supposé conduire aux gens que yo doit conduire dans la volonté de Dieu, Jean bon Dieu demander pour nous mener yo. Et vous devez observer l'état général, le comportement troupeau. Amen.
Et pour pas capable porter soin à troupeau, ou supposé porter soin avec mouton yo, avec brebis yo. Parce que tout, David, là que il était un berger, les bêtes yo étaient malades, il était prend soin yo. Il était guéri blessure yo. Les bêtes yo étaient besoin manger, il était bailler manger. Là où t'es soif de l'eau, il mettait de l'eau bon côté yo, pour yo capable boire de l'eau. Et puis qui ça le fait, t'es campé devant pour bêtes sauvages pas rentrer, pas venir dévorer mouton yo. C'est ça que nous sortons dans Jérémie 23, verset 4, dans Ézéchiel 34, verset 11, 12. Nous voyons que en pile troupeau, en pile brebis, ça yo, qui s'est passé? Yo tout partout. Pour qui ça se pense que yo gagne un de gador, et puis qui pas cœur de yo même, et puis yo tout partout, yo marché, monté, descendre, et puis qu'on y a même des chiens dévorants qui a rentré pour venir dévorer yo. So, du moment gador a berger, y a pas campé. Pour lui réellement, pour le camper dans le camp, pour le capable prendre soin. Et brebis, mouton que bon Dieu mettait devant pour capable et hein? Eh bien, qui ça peut gagner bon Dieu gagne pour demander berger ça, il gagne pour demander li gardon ça gardien ça gagne pour demander compte pour qui ça parce que peuple bon Dieu c'est le peuple de Dieu. Bon Dieu va nous faire nous grâce pour nous capable aider le peuple de Dieu, pour nous capable perdre le peuple de Dieu. Amen. So, ça veut dire peuple bon Dieu c'est pas peuple nous que lié. C'est ça fait nous devons prendre soin le peuple de Dieu. Vrai gado qu'on est qui gens pour prendre soin peuple bon Dieu ya. Li konn qui gens parce que mission berger c'est veiller ou doit veiller. Amen parce que il y a un pile brebis qui est garé. Il y a un pile brebis qui pas contre ça pour y faire. Il y a un pile brebis qui réellement pile mouton qui blessé qui besoin réellement brebis ya. Pensez blessure ça. Il y a un pile réellement et brebis, un pile mouton qui pas connaît qui ça pour yon faire. Yon besoin conseil berger. Son devoir yon berger, c'est veiller, il doit veiller sur comportement mouton yon, brebis yon pour qui ça yon besoin. Non seulement sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, et sur tous les points de vue. Pour qui ça, c'est parce que David, dès qu'il était berger, hein, c'est pas seulement t'as prié pour mouton yo, mais il t'est ouais que mouton yo besoin soin pour le bailler soin tout. Amen. Pour qui ça, parce que, là, nous lisons dans le livre de Jean 10, verset 11. Dès qu'il nous a parlé de berger, nous voyons que l'éternel, c'est lui-même qui berger nous. Mais en tant que, bon Dieu, lui-même, lui dans le ciel là, amen, lui-même, lui mettait des gardons, des gardiens pour capable aider petit lio, mais en tant que yon gardien, en tant que yon pasteur, en tant que yon monde, cap que bon Dieu bo responsabilité, ou doit veiller sous la vie fidèle yo. Ou supposé observer état général yo, comportement yo. Amen. Et vous supposé porter soin à yo même. C'est ça fait une série de qui tout partout. Nous sommes li là, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie, nous sommes li yo. Amen. Ouais, yo tout partout. Yo gaillé. Ça veut dire, on demande côté brebis, côté gardien yo, côté gardien yo. Amen. Parce que son grande responsabilité que lié. Là, nous lisons dans 1 Pierre 2, le verset 25. Je vais lire pour vous. 1 Pierre 2, le verset 25. C'est qui ça que lui dit? Le verset 25. Il dit, nous t'es un coup mouton qui t'es perdu, ban yo. Mais qu'on y a, nous tournons, vint joindre Christ, là, qui garde nous, qui veille sous nous. Amen. Ben, nous pote qu'on bon Dieu, nous t'étant qu'on brebis qui est garé. Mais du moment que nous vint joindre Christ, nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous, qu'on y a, bon Dieu, c'est lui-même qui a dirigé la vie, nous. Amen. C'est lui-même qui pour prendre soin, c'est lui-même qui prend soin de nous-mêmes. C'est lui-même qui a aidé nous. Parce que Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire, en tant que Jésus, c'est lui-même qui berge, ça veut dire, pas manquer rien. Tout ça, besoin, c'est demander bon Dieu. Parce que bon Dieu, apprend soin de vous-même. Amen. La prend soin de vous parce que il est le bon berger. Amen. C'est berger tout le monde qui croit dans lui-même. Tout le monde qui espère dans lui-même. Tout le monde qui a marché avec lui-même. Tout le monde qui a servi lui. Jésus est le bon berger. Est le bon berger. C'est ça que lié. Amen. Pour qui ça? Qui caractère yon berger? Berger yon supposé gagner patience. Berger yon supposé gagner sagesse.
Bien, j'en supposais que l'esprit de discernement, faut être capable d'enseigner peuple en Jean bon Dieu, diriger lui, et même pour être capable d'instruire le peuple de Dieu. Et bien, j'en supposais gagner une humilité. Pour qui ça, c'est parce que son groupe de brebis, un groupe de moutons qui devant berger. Faut être capable de connaître qui gens pour lui agir avec chagrin mouton, chagrin brebis. Faut qu'il connaisse qui gens pour lui capable réellement agir ensemble avec eux, comporter ensemble avec eux. Parce que berger, gardeur ou gardien, supposé gain patience. Faut gain sagesse. Amen. Faut être capable de discerner. Faut être capable d'enseigner bien. Amen. Ça veut dire d'après la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Pas un enseignement charnel, mais son enseignement spirituel qui sortit réellement, directement dans la Bible et qui inspire lui, traduction. Hein. Amen. A sorti du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et puis, supposé qu'il y a pile humilité. C'est caractère un berger. Caractère berger, il faut humilier, faut humble. Berger n'est pas capable orgueilleux, il n'est pas capable arrogant. Non, depuis berger, il est arrogant, il n'a pas d'humilité. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le troupeau. Le berger n'a pas de sagesse, il y a un problème. Il n'a pas d'esprit de discernement, son problème que lié. Il n'est pas capable d'enseigner bien, son problème que lié. Amen. Pour qui ça, c'est parce que brebis yo a gardé pour voir qui ça berger a fait. Du moment que vous avez dirigé et berger et vous avez dirigé mouton yo brebis yo bien, eh bien brebis yo a content, brebis yo a en santé. Mais du moment que berger a retiré et joli sous mouton yo, il pas prend soin mouton yo, ça veut dire mouton yo c'est gagné a gagné. C'est ça que Jésus t'a dit. Yon moun qui a 100 moutons. Et puis yon, allez là-dedans. Qui ça fait? Berger qui a l'amour, qui a sagesse, qui a esprit de discernement, qui a humilité. La praler pour la chercher. Grand mouton qui perdu. Combien de moutons qui allait qui perdu? Et puis berger a pas compte côté le fait. Berger a pas compte qui ça l'a fait. Berger a dû se quitter pour la tourner back dans le monde là. A fait garder yo. Non. De voir berger, yon vrai berger. C'est prendre soin mouton yo. C'est prendre soin mouton yo. Veiller sous mouton yo. Les nous pas ouais yon mouton, c'est chercher comme côté mouton yon. C'est chercher comme qui ça, qui passe mouton yon. C'est pas juste quitter mouton aller. Et puis leur quitter l'aller comme ça. Parfois yon aller. Et puis yon perd du net y aller dans le monde là. Si bon Dieu pas fait yon grâce. Encouragement que m'pote. En tant que yon berger. On nous marchait, mettez tête nous ensemble pour nous faire travail, bon Dieu. Hein. Mission berger, c'est veiller pour veiller sous mouton, sous brebis, pour conduire troupeau, pour l'observer façon et même façon que y a marché, façon que y a vivre. Et même pour porter soin avec mouton, avec brebis, avec bête. Et même, c'est devoir un berger pour prendre soin mouton. Et même. Et caractère berger supposé qu'il y ait patience, il supposé qu'il y ait sagesse, il supposé qu'il y ait esprit de discernement, et pour être capable d'enseigner d'après la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Et berger, hein, supposé vivre dans l'humilité. Et semaine prochaine, moi, va continuer avec le psaume 23. Dieu s'est parlé dans le psaume, et le verset premier, que l'Éternel s'est berger nous. Le vrai berger, le bon berger, c'est l'Éternel des armées. M'encourager pour capable appuyer sur bon Dieu. Parce que si bon Dieu c'est berger, ou pas besoin de manquer rien. Et bon, soit appuyer sur bon Dieu, ou pas besoin de déçu, ou pas besoin de mourir. Pour qui ça? Parce que bon Dieu c'est lui-même qui sauveur, c'est lui-même qui la vie nous, c'est lui-même qui le vrai berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est bon Dieu qui te baille ville pour vous-même, capitaine de moi, pour moi-même ensemble avec vous. Encouragement que m'porter pour vous-même. C'est appuyer sur Jésus. Faire bon Dieu confiance. Parce que c'est lui-même qui est vrai berger. Hein. C'est lui-même qui prend soin. Hein. C'est lui-même qui protège. Hein. C'est lui-même qui guérit. Hein. C'est lui-même qui bénit. Hein. C'est lui-même qui délivre. Hein. C'est lui-même qui sauve. Hein. Dans quelle que soit la situation que vous y êtes. Parce qu'il est le bon berger.
Il est le vrai berger. Yes, il est le vrai berger. Amen. Vrai berger, c'est Jésus-Christ. Comptez sur Jésus. Restez ferme dans le Seigneur. Parce que bon Dieu, qu'on croit dans lui-même, non. Ni pas petit au rond devant ennemi ou yo. Et même capable déçu dans le monde. Même bon Dieu lui-même, ni pas chôme qui t'a déçu. Que bon Dieu est capable de bénir. Que bon Dieu est capable d'aider. Que bon Dieu est capable de fortifier. Ou capable de connaître, selon le psaume 23, verset 1er, que l'Éternel est votre berger. Ou pas chôme manquer en rien. L'Éternel, c'est berger nous. Nous pas chôme manquer en rien. Camper sous parole ça, vivre sous parole ça, faire parole ça capable yon trésor, yon boussole pour même, quelle que soit la situation que vous avez confrontée, pour dire si l'Éternel c'est berger, m'pap chanm manque rien. Et puis agis fort, et puis l'Éternel a bon victoire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu capable fortifier. Amen. C'était servant tout ministre Marie Pierre. M'encouragez nous pour nous capables cher avec l'autre monde, avec Zami nous, et puis pour nous capables abonner, pour nous capables subscribe. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Thank you.